à la table des, des cinq puissants du P5. Comment euh, chiffrer aujourd'hui le fait que Emmanuel Macron soit le seul président européen à détenir euh, la dissuasion nucléaire Comment chiffrer aujourd'hui euh, le fait que ce président puisse s'exprimer, puisse s'adresser à Poutine comme il le fait C'est Grâce à la, à la dissuasion nucléaire. Comment le chiffrer aujourd'hui Donc, je pense que tous ces chiffres qui sont avancés, c'est certain, pendant les 40 années d'autonomie, de, des flux colossaux, des flux euh, financiers colossaux ont été transférés à la Polynésie française en échange de la bombe. Donc, qu'on a-t-on fait euh, Je ne suis pas là à condamner à 100% ce mmh. qui s'est passé, euh, le système d'autonomie, mais aujourd'hui, on se retrouve avec des milliers de Polynésiens sous le seuil de la pauvreté. On se retrouve avec des CAE, des, des emplois précaires, des, un réseau routier qui n'est pas, pas digne. Euh, on, a, on a un hôpital. Oui, c'était euh, le, le, le grand et bel hôpital, mais aujourd'hui, il fuit de partout, il n'a pas été maintenu. Donc, c'est des tas d'exemples comme ça qu'on peut et euh, donc, comment a été, ont été utilisés ces flux financiers D'ailleurs, en 2004, quand Monsieur Oscar Temaru est arrivé au, au, au pouvoir, rappelez-vous la ministre des Outre-mer qui dit :« Nous allons arrêter, nous allons fermer les robinets. » Donc, c'est que euh, l'argent coulait à flot. Mmh. L'argent coulait à flot. L'argent coulait à flot. L'argent est passé où, Pascal a été D'abord, je voulais répondre sur ce qui a été dit par ma collègue, Madame Arbelot. pour les compensations et le développement économique il faut savoir que d'abord pour développer ce pays il faut des infrastructures le port de Papeete, qui l'a fait c'est l'état français par l'armée l'aéroport où madame arbelo exerce un travail au niveau de la tour de, de cet aéroport qui est-ce qui l'a construit c'est l'état français les infrastructures non réseaux routiers dans, sur tahiti dans les archipels qui est-ce qui l'a fait c'est grâce à cette compensation il faut d'abord avoir des infrastructures, les consolider. C'est ce que l'État a fait, tout, en tout tout. Tout cela a été accompagné par le gouvernement. Et aujourd'hui, la dotation, la dette nucléaire, nous en avons bénéficié. Je citais l'exemple des Marquises. Il y a les Toamoto aussi, l'aéroport des Toamoto. On a de la chance dans une petite île où il y a Très peu de population, il y a un aéroport. Qui est-ce qui l'a fait grâce au CEP? C'est vrai qu'il y a, qu y a des, 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 des causes qui ont été mal, qui ont, qui ont des répercussions au niveau de la population. Mais il faut savoir que tout n'est pas non plus négatif. Au contraire, il y a eu un développement, c'est un démarrage. Aujourd'hui, il y a eu cette lancée économique à nous de prendre et savoir comment l'utiliser. Maintenant, l'hôpital. L'hôpital a été financé sur nos fonds, proprement, sur les fonds de notre pays. Pourquoi Parce qu'on avait de l'argent à cette époque-là. Merci le gouvernement autonomiste, merci Gaston Floss. Grâce à ça, nous avons cet hôpital. Qui se soigne à l'intérieur de cet hôpital ben, C'est nous. C'est nous les Polynésiens. Nous ne partons pas en France. Aujourd'hui, il y a un problème. Qui gère l'hôpital aujourd'hui? C'est le gouvernement de M. Broderson, le président, c'est lui. Pour les CAE. Pour les CAE, aujourd'hui, il n'y en a plus. Tout a été arrêté. 4 milliards dans l'ADG, dans la dette nucléaire, 4 milliards étaient pour l'emploi et 2 milliards étaient pour le tout ce qui est dispositif d'aide. C'était le DIG, le CIG. C'était à un moment donné, il y avait l'ICRA. Aujourd'hui, CAE. Aujourd'hui, zéro. Il n'y a plus rien. Monsieur Moïte Broderson a tout arrêté. Qu'est-ce qu'on attend Tout le monde attend quelque chose. Et ça, c'est vraiment un dispositif d'insertion avant tout je vous ai vu grimacer et Darbelo. <laughs> oui en fait on leur a laissé les rênes pendant 40 ans avec des flux colossaux des flux colossaux d'argent donc c'est un minimum un minimum ce qu'il y a il faudrait, ben, il faudrait quand même. Mais, ne ne mais me coupez pas la parole, madame. Ne me coupez pas. Non, je me coupez pas la parole. Je vous, la... je vous ai laissé. Non, je vous, corrige, je, vous, je, vous ai laissé je ne parler. Peux pas vous non. permettre de dire non, ce Non, c'est vous de qui bêtises. dites des bêtises. Non, c'est vous qui dites vous des bêtises. Vous êtes content d'avoir un président qui siège grâce à qui mmh. Grâce à l'autonomie. Parce que jamais on n'aurait cru. Il ne faut pas oublier qu'auparavant, c'était le gouverneur qui dirigeait ce pays grâce au statut d'autonomie. Vous répétez toujours la même chose. Vous répétez vous Ça, répétez toujours la même chose. On va vous laisser, on va vous laisser, on, on va vous laisser contraire. vous exprimer. Il n'y a pas de succès Mélanar et le poursuivre. Donc le L'hôpital, euh, il, il n'a pas été maintenu. Hein. Il aurait fallu euh, que tous les gouvernements autonomistes euh, nous livrent un hôpital aujourd'hui en, en fonctionnement. Et là, euh, force est de constater qu'il faut 15 milliards pour euh, le remettre à flot. Euh, euh, Madame Haiti Floss nous reprochait euh, de ne pas, euh, euh, comment dire, euh, de ne pas rétablir une fonction publique euh, euh, donc euh, dans, à l'hôpital comme il faut, euh, comme il se doit. En fait. Et euh, qu'est-ce qu'ils ont fait Nous, on est là depuis un an. On essaye de, 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 on essaye de, de faire ce qu'on peut, euh, donc euh, de mettre cette fonction publique euh, euh, de la santé euh, à, à, à flot. Et en fait, euh, eux n'ont rien fait. Pour les CAE, les CAE, il euh, y a des dispositifs, et elle le sait puisqu'elle est à l'APF, il y a des dispositifs qui sont mis en place à partir de juillet. Donc, euh, euh, pour remplacer les CAE, les CAE, c'est 11%. 11% des CAE arrivent vers un, un CDI. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est un raté total. D'accord Donc euh, là, nous allons mettre en place, enfin le gouvernement, puisque euh, moi je suis candidate aux législatives, mais je vais quand même me permettre de dire que le gouvernement local, Broderson, met en place des euh, formations de 8 mois. Dans des entreprises et pas dans les communes, hein, parce que les CAE dans les communes, c'est un leurre. Donc, dans des entreprises, euh, des stages de formation qui aboutissent sur un, sur un CDI qui sera aidé pendant un à deux ans par le pays et ensuite l'entreprise euh, euh, sera ensuite euh, euh, emploiera complètement à 100% le, la personne. Donc, ça, oui, c'est mener vers un travail qui sera pérenne. Un raté total des CAE. Ben Dites-le à la population que c'est un raté total. Et euh, en plus, euh, la dette. Prenons l'exemple de la décharge de FAA, gérée par le président Tavini attira atira Totalement de sa compétence. Ça fait combien d'années Vous croyez que c'est réglé vous croyez qu'est-ce qu'il a fait pour la population de Faa'a Ils vont tous dans la décharge de Faa'a. Je pense qu'on n'a pas de leçon à recevoir. En tous les cas, depuis 40 ans, on sait que c'est Gaston Florent. On sait que ce sont les autonomistes de 2004 à 2013 qui a dirigé ce pays. Et pour la première fois, on a un président indépendantiste. Quelle fierté C'est un polynésien. Moi, je suis fier. Aujourd'hui, alors ben, je suis de vous l'entendre dire. Je suis, mais ben oui, mais <laughs> maintenant, dites-moi, qu'est-ce que vous avez fait concrètement Cinq ans, député broderson rien. Moi, j'aimerais bien qu'on dise ça, c'est moitié Ça, c'est au terminus à zéro. Aujourd'hui, je peux te dire, tout ce que tu as aujourd'hui, mm. là où tu roules à sur la, la route, c'est <coughs> les autonomistes. Là, on peut euh, être... On, on, on Madame, on c'est Madame, Madame. Mm. Mm. ça l'autonomie. Mm. L'autonomie a permis à mm. chacun oui. d'entre mm. nous de se développer et il... d'avoir tous ces oui. acquis. Ah, bah, il a Mais maintenant, c'est fait... à eux de savoir l'utiliser. Oui. S'ils ne, ne savent pas le faire, ce n'est pas de ma faute. le ne savent pas le faire n'est pas là depuis 5 ans. Hein. Oui, non, mais il a été député. Là, on est aux élections législatives. Oui, mais alors ne mélangez pas tout. Non, mélange pas tout. Non, mélange pas, les, pas tout. Vous, avez, les, vous avez dit hein. le CAE, c'est un raté. C'est Vous un qui, vous qui qu allez à dire parler des CAE. C'est-à-dire vous. que les Polynésiens, moi je m'adresse aux Polynésiens. Tout ce que vous avez donné le pays au niveau du CAE sont des Pauvres Polynésiens, alors que ce sont avant tout un dispositif d'insertion. Donc on a bien utilisé l'argent, en fait, euh, donc euh, la compensation. Nous du avons un programme précis, nous savons où nous allons. Aujourd'hui, on ne sait pas. On ne sait pas où on va. Il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de plan. Par la... contre, l'indépendance, oui, c'est tout ce qu'il y a au niveau de, de leur discours. Bon, on va, on va refermer là peut-être ce chapitre euh, sur le nucléaire. Non, moi, je Mérina voudrais réagir, je oui. voudrais réagir, réagir quand réagir. elle dit qu'on ne fait rien. En 2008, qu'est-ce que Michel Buillard et Bruno Sandras ont fait pour la réforme de l'ITR hein, parlant de choses concrètes. Oui, oui. Ils étaient au Parlement, hein, ils étaient autonomistes, ils le sont toujours. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour empêcher cette réforme de l'ITR Répondez à ma question, madame. Ben on attendait Mme Arbelot qui vienne sauver tout ça, puisque vous avez un programme précis. Mais quelle réponse ben oui, Mais quelle réponse vous Votre, réponse est, votre ah réponse est vide. Votre réponse est vide, Mme. Faites Flos. le mot. Faites le mot. Faites votre réponse est vide. Par contre, Parce le que vous est avez concret. bien appris votre leçon. Et quand on vous interroge, quand <laughs> on vous interroge, on vous interroge. Quand Mme Arbelot est la seule concernée, ils ont beaucoup de primes. À savoir que. Vous mélangez tout, vous mélangez tout. Les primes n'ont rien à voir avec l'indiciel. Vous ne connaissez rien, vous ne connaissez pas le sujet. Madame Sanquer s'est occupée de l'ITR. Alors vous dites la même chose de votre candidate sur la Circo 2 Alors Madame qu'elle s'est occupée. Justement, à un moment donné, pendant 11 ans, l'État a fermé. Elle a réussi à soulever. Et Rofrich et Lana Tétouani ont arrêté Vous êtes une catastrophe. Grâce à eux, ils sont arrivés à mettre le CVM à 4000 euros par ah. an. Stopper le, je vais dire... Alors c'est ça Vous ah allez, allez ça, vous, vous prenez la mal, CVR Parce bien. que ça allait se terminer en bien. 2028. Oui. Ça allait terminer. Oui. Chaque année, ils perdaient ce pouvoir Alors dites aux 000 actifs que vous allez vous contenter de, de la CVR. Très bien. bien. C'est Alors hier, justement, une partie des fonctionnaires d'État en Polynésie sont de nouveau montés au créneau pour refuser, via une intersyndicale, la cotisation volontaire de retraite le nouveau dispositif qui devrait remplacer donc l'indemnité temporaire de retraite mise en place depuis 2008 et qui sera supprimée donc en 2028. Plus de 5000 fonctionnaires demandent un traitement équitable, ils ne demandent pas autre chose, un traitement équitable des retraites entre les fonctionnaires métropolitains et ceux du Fénois, d'ailleurs, ils en appellent aux députés qui seront élus samedi. Qu'est-ce que vous leur répondez, Méléana Red-Arbelot Ré Eh bien, que ce dossier est sur mon bureau encore, il est tout chaud et que je m'en occuperai dès que je serai à l'Assemblée, puisque c'est une pension équitable qu'on demande. C'est un calcul qui, qui était incomplet et qui était masqué par l'ITR. Et donc, du fait de, de la réforme de l'ITR, on s'est rendu compte, enfin, en tout cas, moi, en arrivant à l'Assemblée, que cette pension civile était très mal calculée. Donc, aujourd'hui, comme on l'a déjà dit, euh, Quelqu'un qui gagne 1000 euros, c'est fictif évidemment carrière, il, en fin de carrière. En métropole, il part avec 738 euros de, de pension civile. Euh, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis et Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon, il part avec 410 euros. Donc ça, c'est complètement inéquitable. Et donc, euh, je, je porte les valeurs aussi de la République, liberté, égalité, fraternité en métropole. Et le travail avait été commencé au niveau des trois ministères con, euh, concernés. D'accord. Qui sont donc ministères Alors, le ministère de, des Finances, le ministère de la fonction publique et le ministère des Outre-mer, euh, le dossier était vraiment bien bien parti. Donc euh, moi je, je, je le dis euh, bien haut et fort pour les 6 000 actifs euh, euh, donc euh, fonctionnaires euh, de la de l'État, je reprendrai ce travail. Absolument. Et vous avez bon espoir ou vous allez scruter surveiller de très près euh, la majorité qui va se dégager à l'Assemblée nationale ben écoutez, le, 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 le dossier est bien monté. Hein. Moi, j'y ai travaillé plusieurs mois. Donc euh, là, euh, sur le dernier gouvernement, quand j'ai rencontré donc euh, les conseillers de Bercy et ceux de, des outre-mer, ils trouvaient que le dossier était bien monté. Il fallait discuter encore sur quelques, quelques points, mais euh, aussi euh, euh, ils avaient d'ailleurs dit qu'ils n'avaient jamais eu un dossier aussi bien monté d'un. Parlementaire Et donc, euh, les, après, on va intégrer aussi les, les, les organisations syndicales, hein, parce qu'on mm -hmm. ne va pas tout, tout réinventer. quoi. D'accord, donc ça ne vous fait pas peur, par exemple, si jamais euh, euh, l'extrême droite arrive au pouvoir Alors, j'ai peur de rien. Très bien, euh, Pascal Haïti-Flos, euh, donc par rapport à ce dossier de l'ITR Je me suis exprimé là-dessus. Donc. Euh... Bien sûr qu'il faut le porter, mais encore une fois, c'est occupé uniquement de son corps de métier elle n'a pas réussi à, la ma... de dire à la même chose tous les syndicats Et les autour. Il faut Et les 6 000 actifs, tout... vous en faites oui, quoi Il n'y a pas que 6 000 au niveau de, de, votre, de votre corps de métier. Mais, il y en a d'autres corps, vô... corps de métier. Les corps de métier, ce n'est même pas du tout. Alors d'abord, il faut les réunir. Hein. Il faut savoir qu'il faut les réunir. Moi, je félicite Nicole Sanker qui mais avait réussi son corps de métier en 2011. Aussi qui avait... Alors, c'est normal. Bien sûr, mais elle ne rentre pas. Vous, vous êtes... vous, Lorsqu'il y a eu la grève, vous vous êtes précipité devant les grévistes pour leur Dit, voilà, nous allons faire ça, bien sûr, ce sont vos techniques, Madame Arbelot. Ben, la vôtre, je préfère ma technique à la vôtre. Hein. Ben, tout, je ne sais pas, pour l'instant, il n'y a rien, il y a rien, il n'y a, a rien. Tout ah, à fait autre chose. Lorsque vous êtes sur le terrain, euh, alors, comme, les autres, comme les autres candidats, vous, êtes sans, doute, vous êtes sans doute abordé par des gens sur le thème de l'emploi, de la vie chère, du logement, des soucis au quotidien. Même si ce n'est pas, c'est vrai, de la compétence directe du député, vous ne pouvez pas ne pas entendre cette détresse. Le terrain, il faut être attentif, trouver et proposer des solutions. Avez-vous déclaré, Pascal Haïti Floss Alors, quelles solutions Lorsqu'on va à la rencontre de la population qui soulève leurs problèmes au quotidien, on peut pas rester être spectateur et dire non, je ne peux pas, je ne peux rien faire pour vous. Au contraire, il faut être attentif. C'est là où on doit on doit vraiment travailler ensemble avec le gouvernement pendant les deux années où les, deux, où les trois députés siégeaient à l'assemblée nationale. ils étaient au courant du problème de la population et avec ce gouvernement ils avaient les pouvoirs entre les mains. quand il fait c'est la question qu'on se pose aujourd'hui. il y a des comptes à rendre à la population au niveau du développement, au niveau du coût de, de la vie. Au niveau de la cherté de la vie, au niveau de l'emploi. C'est ce qu'ils réclament. Au niveau du logement, c'est ce qu'ils réclament. Tout a été stoppé. Ce qu'ils veulent, c'est régler et soulager leur quotidien. Qu'est-ce que vous voulez que je dise à la population Bien sûr qu'on va se battre pour eux. De, quel, de quelle, quelle manière Je vais te citer un exemple sur les problèmes fonciers. Grâce aux autonomistes encore une fois à Maïna Sage et Nicole Sanker et Lana qui ont porté ce dossier. Nous avons un tribunal foncier aujourd'hui. Il y a des médiateurs au niveau de la DAF qui ont été créés. Ils, ils sont actuellement en train de... D'aider les, les. Ils ont travaillé au niveau des australes, Ruruto et Rimatara, puisque dernièrement, nous avons eu des dossiers au niveau des titrements des dossiers euh, qui sont passés à l'Assemblée de la Polynésie française. À savoir aujourd'hui dans la loi française, c'est tout ce qui est. Comment dirais-je. Euh, la, la, la loi française reconnaît les. Euh, euh, les euh, Reconnaît par souche, ce qui veut dire qu'on peut remonter à plus de 30 ans. Alors aujourd'hui, vraiment, je suis contente que ce travail a pu être réalisé par une, notre collègue Maïna Sage. D'accord. Ça, c'est une grande avancée puisque on parle d'indivision mmh. là-dessus. C'est pour vous dire que le travail est vraiment et fait vous... et concrètement, le Polynésien en bénéficie. C'est ça, c'est ce qu'on attend de, de mmh. nous. Hein. Mériana Redarbolo, Alors, qu'est-ce que vous leur répondez à ceux qui vous sollicitent hein, par rapport euh, à, la, à ce problème de la vie chère euh, euh, Je voudrais dire d'abord que mon. L'adversaire est en totale contra contradiction avec elle-même, puisqu'elle critique d'abord euh, le gouvernement et dit qu'il faut travailler avec le gouvernement. Ensuite, euh, elle a critiqué tous les gouvernements précédents euh, qui étaient autonomistes. Euh, L'autonomie est un pantalon tacheté, euh, troué et vieux. Hein c'est ce, merci l'autonomie voilà tout ce qu'elle sait dire, c'est merci l'autonomie ben oui, ça va Gilles pas loin là. ça va non, pas loin quand même. vous, bénéficiez, vous avez donc les euh, quel ça si, si monsieur frébot se retrouve à seul à l'assemblée nationale en seul je veux dire en tant que euh, qu'est-ce qu'il va appliquer comme politique je, je pose la question, est-ce que c'est celle du Tapoura Le Tapoura qui n'a jamais soutenu la Côte Il est Marquise, par des exemple. Polynésiens. Alors oui, mais quand vous, dites, quand vous critiquez le gouvernement actuel, c'est le gouvernement des Polynésiens, madame. Oui, Et quand vous avez critiqué oui, le gouvernement que, mais de Monsieur Fritsch, quand vous avez. Le, mais vous aussi, vous avez été vous élu. Avez vous aussi, vous avez été élu. Ce qu'on attend de lui, on fait son parler. travail. J'aimerais bien, bien qu'on vérifie les développer. temps de parole parce qu'elle n'arrête pas de me couper, alors que moi, je la laisse parler. Donc, oui, vous madame. avez été élu aussi. Vous avez oui, été 40 madame. ans au pouvoir. Oui. Hein? Merci l'autonomie, encore une fois. C'est insoutenable. Bon, alors, un, un peu plus de 400 voix, on va revenir un peu à, au, au score de samedi dernier, on reste avec vous, et Redarbelot Un peu plus de 460, 477 voix, très exactement, vous séparer à l'issue du premier tour. Édouard euh, Fritsch était accueilli, j'allais dire, les bras ouverts sur les terres de la nuit hier, même si sa fille Naomi n'a pas donné de consigne de vote. Comment est-ce que vous interprétez ce rapprochement eh ben c'est leur responsabilité. En fait, euh, J'ai n'ai pas commenté ce genre de, de comportement. D'accord, ça ne euh, vous inquiète pas pour la suite Alors non, pas du tout. Parce que comme, comme je l'ai dit aussi, les gens sont libres. Hein. Les gens écoutent et, et regardent. Ensuite, dans l'isoloir, ils font... Euh, ben c'est justement, ça nous permet d'exprimer euh, notre liberté de citoyen. Donc tout ce que je demande aux gens, c'est d'aller Samedi voter. Maintenant, euh, euh, regardez ce qui se passe, euh, euh, regardez ce qui se dit. Et ce qui s'est fait, on nous demande en un an euh, de, de, de réparer ou de changer les mentalités qui se sont bien établies depuis 40 ans. Cette habitude de, de recevoir des, 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 je, je dis, hein, des, des transferts, les 200 milliards, on n'entend que ça. Nous, tout ce qu'on essaye, c'est d'être moins dépendants. Et le jour où on pourra euh, se, se suffire à nous-mêmes, eh bien, on demandera à la population ce qu'elle en pense. Qu'est-ce quoi de plus beau que, que d'essayer de, de développer son pays en harmonie avec une économie plus sociale, solidaire et respectueuse de l'environnement exceptionnel qui nous, qui nous entoure. Que, comment peut-on être contre ça C'est pas possible. Donc euh, nous voilà ce qu'on demande, à, ce qu'on voilà notre programme. On veut développer notre pays et être moins dépendant. Parce qu'aujourd'hui, Ibrahim, les, la France est un pays endetté. Au bord de la faillite, ces deux ex-premiers ministres qui l'ont dit, euh, qui l'ont déclaré, il y a deux semaines à peine, d'accord. Si demain la France dit euh, la Polynésie, là, les Polynésiens, vous êtes gentils, mais on peut plus là les 200 milliards. Comment on fait? Nous, on est dans cette démarche de vouloir euh, se développer et essayer d'être de moins en moins dépendants. Et quand on pourra demain, quand on estimera qu'on peut demander à la population son avis, on le fera. Mais on va pas amener le pays vers le chaos. Enfin, quand même, on n'est pas... On, 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 est, on est des personnes intelligentes. D'accord, donc ne précipitons pas les choses euh, par étapes. Exactement, et mmh. c'est ce qu'on fait, mais sauf que depuis un an qu'on est là, le, les autonomistes nous demandent de régler des problèmes qui se sont établis depuis 40 ans. Je, je ne rejette pas à 100% hein, mmh. le, le, le système autonomiste. Ce que veut faire croire Mme Haiti Floss, c'est faux. Il y a des choses, mais c'est un minimum, qui ont été faites avec tous les flux d'argent qu'on a eu. Qu eu. C'est mmh. normal qu'il y ait des choses de fait. De fait. Alors... Pascal Haïti Floss. Mmh. Parce qu'il vous restera après très peu de temps pour conclure hein, chacune. Allez-y. Déjà pour les 200 milliards, elle fait partie de ces 200 milliards, puisque. Elle est financée, je veux dire. Euh, arrêtez de parler de euh, moi. Vous faites, vous faites partie -vous, des 200 milliards. Parlez de vous. vous. vous non, je parle et vous, de vous. Je, et vous Je réponds hein, juste à votre question. Que vous avez même écrire ces la 200 loi, milliards. Madame. Si Alors, vous êtes député, niveau, vous allez écrire la niveau loi. Au niveau il faut la respecter de, de aussi. la CPS, il faut savoir que Moïtaï Brodersen, le président, a retiré les 1%. Ce qui fait aujourd'hui, nous avons un gain en moins au niveau de la CPS qui est de 9 milliards. Tu vois, ils font à l'envers, ils retirent. Ils retirent la TVA sociale. Nous sommes à moins de 9 milliards et on dit comment on fait Comment on fait ben Aujourd'hui, comment on fait Qui est-ce Aujourd'hui, qui est-ce qui, qui, est qui, qui, aujourd qui est touché mmh. par ça ben, C'est les petits. Le carnet rouge. Les carnets rouges ont été supprimés. Voilà le problème du, de la question. On marche à l'envers. Ah, on marche habituelle. à l'envers. J'espère que vous ne serez pas malade. Vous n'aurez pas le carnet rouge, Mme Arbel. Mettez-vous à la place de celui Arrêtez où le carnet rouge passiliste. a été supprimé, où les on personnes sont conclure. de plus en plus malades. Arrêtez ça, c'est vraiment de l'injustice. On marche à l'envers. Ce qu'on demande à, à c'est d'être au service et non pas punir la punir population. La... D'accord. Très bien. Ben, euh, écoutez, mesdames, on arrive au terme donc, de ce face-à-face. -face. Je vais vous demander de conclure très vite. Donc, euh, de vous adresser euh, directement euh, aux auditeurs, aux électeurs qui nous écoutent. Qu'avez-vous envie de leur dire alors, je vais prendre quand même 10 secondes pour demander à mon adversaire d'arrêter de parler de moi parce que je ne parle pas d'elle. Euh, un député va écrire la loi. Un député. un député va écrire la loi, exactement. Donc, il faut savoir la respecter parce que si elle veut que je parle d'elle et des condamnations qui, lui, qui, lui, qui sont sur sa tête, je ne le Point fais pas depuis le début. C'est ce que vous faites sur moi. C'est bah, ce que vous faites non, sur vous moi. Je ne vous pas sur le plan judiciaire. Mais, je allez, vous dis, vous êtes un agent allez Judiciaire, non, non, madame, bah, attaquez-moi sur, sur le plan judiciaire, nez, madame. Attaquez-moi, allez-y. Pauvres, pauvres Polynésien. Oh po oui, ça vous l'avez dit. Le, Pascal Haïti, euh, qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui nous écoutent? D'abord pour dire aux Polynésiens, écoutez, c'est vous qui, qui choisissez samedi 6, 6 juillet. Cette élection, elle est importante. Notre ticket est le Hamuitato. Dans le Hamuitato, aujourd'hui, vous avez bénéficié de tout ce qui a été concrétisé par les autonomistes députés de cette époque-là. Et on y croit encore une fois. Si vous voulez le Taoui, allez-y, c'est samedi au deuxième tour. Venez voter. Merci. Merci beaucoup, mesdames. Le face-à-face -face donc se poursuit, mais dans la troisième circonscription. Merci beaucoup.